Salut les petits poteaux, c'est le daron d'Aquitaine. Alors, premier jour de grand froid. Eh ouais, ce matin, je viens de passer au panneau. 2 degrés, les gens. 2 degrés. Donc, autant vous dire que j'ai mis le full hiver, j'ai même mis la cagoule et j'ai même gardé le survêt, le pantalon de survêt, sous le pantalon hiver. Pour info, le pantalon de survêt que je mets de la maison à mon garage, parce que mon garage est au fond du jardin. Et donc je vais pas y aller en slip. Donc comme j'avais pas envie de mettre la doublure du pantalon ce matin, je la mettrai soir en rentrant tranquille, bah ce matin j'ai gardé le survêt. Voilà. Donc les voitures sont gelées ce matin. Mon fils qui se lève toujours à la bourre, bah il va falloir qu'il se lève un petit peu en avance pour gratter. Et ouais. Début d'automne, ça commence à sentir l'hiver. En même temps, quand on est équipé, ça passe. Les routes sont sèches. Donc pour moi, tout va bien. Et comme me disait en commentaire un abonné Flo, et à toi Flo, bah ouais, qu'est-ce que tu veux, à 50 ans passés, t'apprécies le confort de ta petite BM. Alors les petits poteaux, on est mardi matin, comme d'hab, hein, vous savez que moi le lundi je suis repos, donc premier jour de la semaine. Je vous souhaite à tous une bonne journée, prenez soin de vous et soyez prudents sur la route. Allez, ride safe! Avec le changement de peau, les petits poteaux, je vais pas faire un passage au banc, mais je pense que non seulement j'ai gagné du poids, mais j'ai dû gagner du couple et j'ai dû gagner des chevaux. Parce que sur le couple, sur la petite axelle, là, quand on est entre 3 et 4, ça marche beaucoup mieux. Ou c'est une impression du fait du son, mais j'ai l'impression que ça marche beaucoup mieux. En fait, j'ai beaucoup plus de couple. On sent le moteur beaucoup plus fluide. Alors c'est marrant, à chaque fois que je passe au niveau de la ferme là, alors c'est une ferme d'exploitation, je sais pas comment on dit, enfin il n'y a pas d'animaux quoi, c'est de la culture. Et en même temps c'est la séparation entre les gens de la Gironde, et bien pile poil à ce niveau là, j'ai une coupure internet. C'est-à-dire que j'écoute la radio par internet via mon smartphone, en Bluetooth avec le Sénat, et je passe ici, pop, j'ai une coupure. Ça dure 10 secondes et ça revient. On se fait un petit kiff les gens, on se fait un petit accès là. Allez go. Ça chante bien hein. J'ai pas fait gaffe mais je crois que sur la 3 ou la 4 j'ai dû faire un rupteur. LOL. Un rupteur en VM. Fait quoi lui? L'autre il part avec son pare-brise pourri gelé, il y voit tellement rien qu'il est au milieu de la route. Non mais sérieux quoi. Prends 2 minutes pour le gratter, tête de con. Ouais. Putain, mais comment est-ce qu'on peut être aussi. J'ai même pas d'adjectif, tiens. Ah bah quand même, faut y attendre moi. Bon salut les petits poteaux, c'est le daron d'Aquitaine. Eh vous avez vu là? Ben je roule 2 jours, eh ouais. On est le 1er novembre les gens. Donc cet après-midi je suis fermé. Donc on s'est dépêché de remballer avec ma petite chérie. Et du coup je rentre 2 jours. Eh c'est cool hein. Alors ce matin je vous ai pas fait de vidéo parce que ma caméra a bugué. J'avais pas envie d'enlever le casque, de la sortir, de la rouvrir et ainsi de suite. Donc ben, je vous fais des belles images de jour avec un temps pas trop mal. Ce matin il faisait 3 degrés, là je sais pas, il doit faire un bon 15 je pense, un petit 20, on est bien. On est bien Tatin, hein. Et pour une fois, j'ai madame derrière. Enfin derrière, pas sur la moto, hein, derrière en voiture. Hein.
Ben voilà, elle vient de me doubler. Oh là 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 là, les limitations de vitesse, hein? Encore une blonde au volant, ça, hein? Ah tiens, hein? Lol, lol MDR. On n'est pas pressé. On est en repos, il fait beau. Les oiseaux chantent. Enfin, les oiseaux, ils doivent commencer à se peler un peu les miches. Hein. Ben, ma chérie, elle est pressée de rentrer à la maison, les gens. Hein. Bon, à son corps défendant, levé depuis 5 heures, ben, il fait tôt de rentrer à la maison. Et puis, vous allez rigoler, mais... La semaine, il n'y en a pas un qui respecte, tout le monde est à 110 sur cette route-là. Là, comme fait express et férié, donc personne ne travaille, bah, t'as tous les promeneurs du dimanche. Hein. Bah, si tu veux dédoubler, chérie, là, faut mettre un coup de 3. Hein. À mon avis, les gens... Bien sûr, elle sait que je suis là parce qu'elle regarde dans ses rétros, mais elle sait que je la surveille, c'est pour ça qu'elle met autant de clignotants. Parce que d'habitude, c'est pas gagné. Oui, parce que les gens, le midi au boulot, moi je rentre pas. Hein. J'ai une bonne demi-heure de route, le temps de m'habiller, de me déshabiller, il faudrait compter une heure et demie. Ça me ferait 70 bornes de plus. Bon, c'est pas spécialement intéressant. J'aimerais le faire parce que j'aime rouler. Mais bon, sachant que j'ai du boulot. Du coup, je mange sur place. Vous devinez un petit peu ce que je mange. Hein. On n'est jamais mieux que cervix par soi-même. Je vais faire ma petite sieste dans l'arrière-boutique. Bah, j'ai ma petite chaise longue tranquille. Hein. Et puis voilà. Et puis après, je reprends le boulot tranquille. Eh, elle est pas belle la vie. Alors que là, pour nous, c'est comme un dimanche. Sauf que demain, c'est pas lundi, c'est pas repos. Demain, c'est jeudi, on retourne au boulot. Et là, franchement, c'est difficile de vous parler parce que j'ai Radio Brunet dans les oreilles sur RMC. Ils sont en train de se prendre le chou sur l'interdiction de la loi là, de fumer dans les lieux publics et tout. Je peux vous dire que c'est chaud. Donc, vous parlez et écoutez en même temps. Parce que j'aime bien écouter. Mais il faut bien que je vous fasse la conversation aussi. Si tu mets ton clignot, chérie, que tu es déjà dans le virage, ça sert à rien. Hein. Dis donc, chérie, t'as envie de me larguer ou quoi? Je m'en fous, si je me fais flasher, je dirais que c'est de la faute à chérie. Voilà. Elle est pressée de rentrer à la maison. Et moi, bah, je la suis. Ah, t'inquiète pas, va. Bah, le daron qui veille sur toi. Salut les petits poteaux. C'est le daron d'Aquitaine. Allez, la petite météo du matin, comme tous les jours, enfin quand j'y pense. Donc on est jeudi et il fait 5 degrés. Donc c'est un peu plus doux, mais ça, pas gelé. Allez, petit poteau. Bonne route à tous, prenez soin de vous. De déboîter, tu ferais mieux de regarder en tes rétros. Oh, salut les petits poteaux, c'est le daron d'Aquitaine. Ma petite météo du matin, donc on est vendredi, et si j'ai pas dit de conneries, puisque j'avais le 4x4 là qui jouait au kéké, là, il devait faire, ben, je crois que j'ai vu 5 degrés, ou 9 degrés, je sais plus. Au ressenti, je vous confirme, il fait un peu frais, mais il fait bon. Allez, ciao les petits poteaux, bonne journée à tous.
Bon, les petits poteaux, je vous donne la preuve de mes avances. Vous voyez les pistes, dans quel état ils sont. J'ai envoyé un mail il y a une bonne quinzaine de jours, donc à la société Intermarché de Sanguinet. Je la cite volontairement. Et toujours rien. Pas de retour de mail, pas de nettoyage de piste. Donc là, j'étais fin de réserve, donc je viens faire mon plein quand même pour vérifier, mais c'est la dernière fois que je viens ici. Refaire un mail à la société Intermarché, ça servirait à rien. Donc je vais carrément les appeler, voir ce qu'il en est. Et puis voilà. Salut les petits poteaux, c'est Eldaron d'Aquitaine. Allez, samedi matin, 5h26, en route pour le boulot. Et j'ai pas vu mon panneau d'affichage, mais au smartphone il faisait 7 degrés. Donc je vous confirme, il fait frais, mais il fait bon. Et on est bien habillé. Allez, tchuss les petits poteaux, bonne journée à vous.